puisque les Anglais, quant à eux, sont sur la ligne de la détermination à l'égard de la Chine, à l'égard de la Russie. Il faut lire ce que dit ce soir le ministre de la Défense anglais, David Lammy. Le moment est venu de faire preuve de courage, d'audace, de patience et de force, ministre des Affaires étrangères, pardon, et de force d'âme au nom des alliés qui soutiennent l'Ukraine. Il y a une discussion en temps réel entre les alliés sur la manière dont nous pouvons soutenir à l'approche de l'hiver. Ils continuent, les Anglais, à plaider pour le donner la possibilité de frapper en profondeur en Russie. Oui, mais ils l'obtiennent, pas. Mais ils sont pas parce entendus, que le, voilà. Le shérif, c'est Joe Biden. Keir Starmer est allé jusqu'à Washington pour demander ça et dire exactement ça. Et il est revenu bredouille. C'est-à-dire même sur la possibilité pour les Ukrainiens d'utiliser les armes, notamment Scalp et Storm Shadow françaises et britanniques. Les Américains, pour l'instant, en tous les cas, ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'ils peuvent taper les Ukrainiens dans la poche qui a été géographiquement désignée à proximité de la frontière. Mais effectivement, il faut reconnaître la grande détermination et la grande constance des Britanniques depuis le début dans cette affaire. Et d'ailleurs, quelle que soit l'administration, qu'elle soit conservatrice ou travailliste sur le sujet de l'Ukraine, ils ne vacillent pas. Ils sont détestés par les Russes. Il y a là une tradition d'antipathie mutuelle entre Londres et Moscou, alors qu'il y a au-delà, qui dépasse presque le rationnel. Oui, ça date du grand jeu du temps des empires, coloniaux, où ils étaient en confrontation, notamment dans l'Asie centrale et en Afghanistan. François Stomm, qui est une fantastique historienne de l'Union soviétique, dit toujours que c'est vraiment la rivalité d'empires. C'est resté entre l'Empire britannique et l'Empire russe, sous toutes leurs formes successives, tous leurs avatars, ils sont ennemis. Oui, bien sûr. Je me souviens aussi sur ce plateau, je crois, que le représentant de l'ambassade russe disait « nous avons les preuves que ce sont les Britanniques qui ont fait sauter, qui ont détruit le gazoduc Nord Stream. Et nous allons vous amener ces preuves incessamment sous peu. » On l'attend toujours. Non, mais bien sûr, il y a une obsession britannique. Une obsession britannique, mais qui n'empêche pas le Royaume-Uni, par ailleurs, d'avoir accueilli énormément de capitaux russes et de les avoir lancés. C'est la vieille formule, rappelez-vous la formule de Napoléon, nation de boutiquiers, c'est un peu méchant. Mais aussi, ce qui est comme très inquiétant à travers cette histoire-là, c'est qu'il faut savoir que, compte tenu des défaillances personnelles du président Biden, celui qui véritablement fait la politique, c'est effectivement Jake Sullivan, dont je parlais tout à l'heure, c'est ce que m'a confirmé un haut représentant récemment de l'administration américaine. Il disait, le président Biden, il dit, pas de troisième guerre mondiale. Il donne cette instruction aussi vague à son équipe, à Jake Sullivan en particulier, et celui-ci transforme cela. Et aujourd'hui, c'est absolument terrible de voir qu'il y a quelqu'un qui est irresponsable politiquement, je parle du système américain, qui de fait prend des décisions que quasiment tous les alliés, dont les Français, les Britanniques, etc., rejettent. Mais on peut penser que jusqu'à ce que Joe Biden passe la main, c'est-à-dire en janvier, il continue à penser la même chose, c'est-à-dire pas de Troisième Guerre mondiale. Donc on a dans quelques jours c'est tout ce beau monde qui va se réunir pour l'Assemblée générale. Des Nations Unies, voilà, dont Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Écoutez-le, voilà. Il est là en route, il s'est filmé dans l'avion, alors c'est un avion de transport, il y a le bruit de l'avion qui est un peu fort, et il devra essayer de convaincre Joe Biden que Jack Sullivan, ce sera plus compliqué. C'est ça. Nous commençons notre visite des États-Unis. Nous sommes actuellement dans l'avion pour la Pennsylvanie. Cette visite est spéciale. Nous irons ensuite à New York, à Washington. Cet automne va déterminer les suites dans cette guerre. Voilà. Cette visite-là, elle est très importante pour lui. Il va voir Joe Biden en premier, et puis il va voir Kamala Harris dans une rencontre distincte, ce qui veut quand même déjà dire beaucoup. Et puis Donald Trump. Il semblerait qu'il voit également Donald Trump. Tout à fait. Voilà. Qui prétend qu'il est capable de terminer cette guerre en 24 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut obtenir là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau? En réalité, les Américains freinent. On se rappelle qu'il y avait eu un petit flottement il y a une semaine. Les Ukrainiens, en l'espoir qu'on leur laisserait aller dans la hyper longue distance, pour l'instant non, l'Amérique freine toujours. Oui, mais c'est ça que Zelensky espère obtenir, c'est de ce fameux Jack Sullivan dont on parle depuis tout à l'heure, qui lui a le pied sur le frein pour l'emploi des armes américaines à longue portée pour des frappes dans la profondeur
en Russie. Et ça va, à mon avis, être compliqué parce que Biden a une idée simple, mais qui a le mérite de la lisibilité, qui est de dire, bah, si on frappe trop les Russes, ils risquent d'élargir le conflit. Et de, du coup, Sullivan joue sur du velours. Il a toujours été, lui, l'homme prudent. Genre, moi, je pense aux Américains qui ont des souvenirs terribles des conflits passés dans lesquels nous étions impliqués, même si celui-ci est différent puisqu'il n'y a pas de militaires américains, mais uniquement des équipements. Et tout ça arrive au moment où les Allemands, qui étaient un autre soutien historique et important de l'Ukraine, vous avez entendu Olaf Scholz disant l'année prochaine, et on va réduire l'aide militaire à l'Ukraine. Et donc l'enjeu, là, le moment, il est vraiment critique pour Zelensky. Sachant qu'aussi aux États-Unis, malgré tout, il y a quelqu'un comme Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui est sur une ligne qui est totalement opposée à celle de Sullivan ou d'ailleurs du patron de la CIA. Il y a toujours trois diplomaties aux États-Unis. Il y a celle du département de la défense aussi. Oui. Donc il y a toujours trois visions entre le Conseil de sécurité nationale, le secrétariat d'État et le secrétariat de la défense. Et le président souvent arbitre. Avec un débat d'ailleurs aujourd'hui, si Kamala Harris est élue, est-ce qu'elle changera, je dirais, de position? Est-ce que son conseiller actuel, qui est Philip Gordon, son conseiller de sécurité personnelle, va devenir le conseiller qui va remplacer Duke Sullivan? Est-ce que ça va changer ou pas de politique? Et en tout cas, dans les milieux d'experts américains, enfin, j'ai eu beaucoup de discussions récentes là-dessus, je vous dirais, ils sont un peu partagés. Mais la séquence du missile Sarmat qui explose dans son silo, c'est une très bonne nouvelle pour un Zelensky qui va se rendre à Washington, qui va pouvoir dire à Joe Biden, arrêtez entre guillemets de me saouler avec votre guerre nucléaire, leur missile, ils explosent dans leur silo. Par contre, je pense que outre l'autorisation de pouvoir frapper dans la profondeur avec des armes livrées par les Occidentaux, Zelensky prépare la négociation. Et donc, il veut obtenir de manière très concrète des garanties de la part de Joe Biden, des garanties de la part des Américains, des garanties de sécurité. Quand on parlait des Anglais qui sont plus audacieux que les Américains, regardez cette illustration, les Anglais aident à partager avec leurs avions de reconnaissance britanniques en mer Noire. Ils recueillent les informations sur le début des frappes russes, ça on le savait déjà. On comprenne qu'ils le transmettent à l'OTAN, ça fait partie des accords tout à fait normaux de l'OTAN, mais selon les spécialistes de la défense anglaise, ils les passent aussi à Kiev. Officiellement, tous les renseignements collectés sont envoyés uniquement aux pays de l'OTAN, mais tout le monde sait que certains de ces pays sont prompts à partager des informations avec l'Ukraine, ce qui leur permet de parer aux attaques imminentes. Là, on voit à quel point il y a ce qui est en surface, et puis dessous, un effort des Britanniques qui est plus courageux que certains nombre d'Occidentaux. Oui, mais il est probable que les soldats britanniques soient les plus nombreux, les soldats fantômes, j'entends, soient les plus nombreux officieusement de tous les pays alliés en Ukraine. Peut-être plusieurs centaines, peut-être on parlait de 600 soldats britanniques sur place. Donc il y a une implication. Mais en même temps, cette affaire... 600, vous dites qu'il y aurait 600. Et là, cette fois, on ne parle pas de volontaires. Il y a quelques mois, oui. On ne parle pas de volontaires. On avait il y a quelques jours un volontaire français, mais ça, ce sont des personnes individuellement. Des militaires qui dépendent SAS, de... SAS, SBS, enfin des gens des services. Vos copains, quoi. Entre autres, mais bien sûr, mais qui ont été inventés pour ce genre de choses, pour agir sans agir officiellement. Quoi. Ouais. Mais en même temps, cette question de demander l'autorisation aux États-Unis, d'être obligé de demander l'autorisation pour l'emploi de ses propres armes, je veux dire, mais quel. C'est humiliant. Oui, non, mais c'est extraordinairement humiliant. Ouais. J'avais un camarade officier britannique qui me disait, mais en fait, tu sais, notre politique étrangère, elle est très facile. Et il suffit de faire comme les États-Unis. Venez. L'argument, c'était de dire venez chez nous, les choses sont beaucoup plus simples. Devenez anglais. Devenez anglais. Oui, non, mais bien sûr. Donc les Britanniques aident comme ils peuvent, ils fournissent de renseignements. Ça limite. Les Américains fournissent énormément. Les Américains aussi. Et notamment, c'est essentiel pour tout ce qui concerne la lutte contre les frappes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des avions depuis le ciel, vous pouvez voir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement l'origine des tirs, et le fait de transmettre l'alerte, c'est des radars d'alerte, Vladimir Poutine ne cesse de le dire. Vous pouvez plus facilement les contrer. Donc c'est quelque chose d'essentiel.